Salut tout le monde, c'est Brocors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 52e épisode de Ghost of Tsushima. Et donc je vais aller aider cette fois-ci mon ami Norion. Est-ce que je peux me téléporter ici? Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Oui, effectivement, c'est un endroit où je ne suis pas encore allé, donc forcément, c'est assez logique. On va passer par ici. Alors, oui, j'ai mis le vent ici, effectivement. Voilà, c'est mieux. Par là-bas. Très bien. Tu es un bon cheval. En avant, Sora. Déjà assez proche à un oiseau. Le temple de Kushi est attaqué. Les moines sont en danger. Ouais, c'est là-bas qu'il veut me mener. Norio! Seigneur Sakai! Toujours plus. Ok. Non. Ah, j'en ai plus. Alors que je récupère un peu de matos. Regardez ce qu'ils ont fait, monseigneur. Le temple de Kushi mérite d'être respecté. Ce n'est pas un champ de bataille. Des siècles de sagesse reposent entre ces murs. Et les Mongols projetaient de réduire cet héritage en cendres. Ils n'ont pas attaqué sans raison. Le temple est source d'espoir. L'abbé demande aux gens de prier pour que survienne une tempête qui submergera nos envahisseurs. Mais l'abbé a disparu. Et ces brutes ont volé la relique la plus sacrée de Toyotama, une statue de Bouddha aussi ancienne que le temple. Mon frère les aurait retrouvés. Avec lui, les moines n'auraient pas perdu espoir et pris la fuite. Honorons alors sa mémoire et sauvons ce temple. Les Mongols ont volé la statue de Bouddha dans la grande salle. Où est l'abbé? Il s'est enfui avec ses plus proches disciples. J'espère qu'ils trouveront un refuge. L'origine de la souffrance. Ok. Je m'occupe des moines. Ça roule. J'espère que l'abbé Komei est indemne. Komei vient du temple Sugi. Pourquoi être venu là? Pour aider la résistance face aux Mongols à Toyotama. Mais quand ils ont attaqué, il s'est enfui. La bataille a été chaotique. Les retrouver sera difficile. Près d'ici, il y a une ferme qui ravitaille le temple. Nous commencerons par là. Le Sutra du sang. Yes. Monsieur. J'y suis allé. Les Mongols la contrôlaient. Je les ai éliminés. Alors l'abbé aura trouvé refuge. L'abbé Komei avait déjà disparu une fois par le passé. Le temple était alors divisé par une... Quel genre de querelle? J'en ai oublié la raison. Mais elle semblait importante à l'époque.
La baie a disparu toute une semaine. Rien ne comptait plus que de le chercher. Qu'était-il devenu ? Il s'était volontairement caché. Et nous avons cessé de nous battre pour le retrouver. N'a-t-il pas empiré la situation ? Il nous a permis de comprendre que notre dispute n'était pas si importante. Il n'aurait pas pu vous en parler ? L'abbé dit souvent que l'action vaut 1000 paroles face à celui qui n'écoute pas. Bon, ici il y a un renard, il faudra que je revienne. Où est-ce qu'on va ? Merde. Ok, moi je suis en fait. Ah, ça ne va plus. Parfait. C'est grâce à l'abbé que le temple de Kushi tient encore. S'il devait lui arriver malheur, les moines abandonneraient le temple. Je suis sûr qu'on y trouvera l'abbé Komei. Du feu ! Ça vient de la ferme. Voilà. Joli. Non, là, il peut pas. Je sais pas si le frérot arrive à me suivre. Plus vite, Sora. Cet homme, c'est l'abbé ? Ces chiens ont décidément le goût des flammes. Non, ce n'est pas lui. C'est... un de ses disciples. Cherche encore. Il est mort. Brûlé vif. Norio. Il faut en avoir le cœur net. Tué en tentant d'échapper aux flammes. La baie n'est pas parmi eux. Et dedans ? Bah on en vient de dedans. T'es bourré ? Les barils d'eau. Renversés. Une natte de paille. Humide. L'abbé aurait-il réussi à s'échapper ? Il s'est servi de natte mouillée pour se protéger. Il a fui par l'arrière. Il a peut-être survécu. Le survivant est parti par là. Alors gardons espoir. Les empreintes sont plus marquées et espacées. Donc il courait. Vous cherchez ? Avec mon titre, je t'en fiche là ! N'a seul mère à chevelot, mais vous ! Ah, il m'a eu. Bien joué. Oh, toi, tu m'as vénère. Quelqu'un a été blessé ici. Suivons les traces. Hâtez-vous, monseigneur.
Ой, удоо гэрч хартаа. Хаа. Чи бари. Хүмээ. Cherchez près du bord de la cascade. Encore du sang. Il a sauté. Il est là. Pas du tout. Allez, Norio, bouge-toi. Par où est-il pu aller? Ah, d'accord. Derrière la cascade? Ouais. Est-ce une grotte? Non! Est-il... Je suis désolé, Norio. Sans l'abbé pour les guider, les moines partiront. Et le temple mourra. Les Mongols ont gagné. Qu'y a-t-il à côté de lui? Il s'agit d'un sutra. Écrit avec son propre sang, son dernier geste. Comme le poème d'adieu d'un samouraï. Par ce sutra, il nous dit que nous pouvons tous être des Bouddhas. Le paysan aussi bien que le noble. Il y a mis ses dernières forces. Mais pas pour lui-même, pour ceux qui ont survécu. Montre ce sutra aux moines. S'ils voient la dévotion de l'abbé, ils resteront. Et ceci est le sutra écrit par l'abbé avec son propre sang. Son dernier acte de dévotion. Un appel à résister à la cruauté. Un appel à rester. À ne rien céder. Nous honorerons le sacrifice de l'abbé, Norio. Nous devons défendre le temple de Kushi. Enjo, le gardien, nous avait sauvés une fois. Aujourd'hui, son frère et le seigneur Sakai nous sauvent à nouveau. Et ensemble, nous pourrons vaincre les Mongols. Ok, c'est rapidement fait. Maintenant, il faut retrouver la statue de Bouddha. Ouais. Ah, c'est pas ici? Ah, d'accord. Pourquoi l'ont-ils prise?
La statue était là. Oui, monseigneur. Les Mongols ont volé notre Bouddha sacré et ont fui en direction de la côte. Nous rapporterons la statue et nous sauverons le temple. Même ton frère n'a pas pu tenir cette promesse, Norio. De quoi parlait-il ? Une lame mongole a emporté mon frère. Enjo, le gardien, n'est plus et ses moines sont prêts à tout abandonner. Ce sont des lâches ! Ce sont des hommes. Enjo n'avait peur de rien. Il n'avait pas 20 ans lorsqu'il sauva ce temple des mains des bandits. À notre tour de le sauver. Nous devons retrouver le Bouddha et le rapporter au temple. Le moine dit qu'ils l'ont emmené vers la côte. On peut suivre leurs traces. Ah, il est là. Je l'ai même pas vu. Tu es en colère. Comment le savez-vous ? À ton silence. Les paroles de ce moine. Il ne sait pas comment mon frère a sauvé le temple de Kushi. On raconte qu'Enjo a agi seul. C'est ce que dit la légende. La vérité, c'est qu'il a envoyé 3 de ses moines les plus courageux défier les bandits. Une diversion. Un sacrifice. Certes, ils sont morts au combat, mais ils ont donné à Enjo le temps de contourner les bandits pour sauver le temple. Monseigneur, par ici! Ça va aller, mec. Racontez-moi. J'ai poursuivi les Mongols. Je les ai suppliés de nous rendre le Bouddha. Où sont-ils allés? Hors de la forêt. Vers les collines. Que ta prochaine vie soit plus paisible que celle-ci. Il a donné sa vie pour son temple, tout comme mon frère. Tu en aurais fait autant. Ok, c'est moi qui guide. Il y a du monde là. Un camp mongol. La statue doit être là. D'abord, nous les punissons pour avoir attaqué le temple. Ok, laisse-moi observer. Pas très nombreux. C'est bizarre.
Cherche la statue. Facile, elle est pas là. Où est-il ? Ah, il est là-bas. La voilà ! Taillée dans une étoile tombée du ciel, il y a des siècles de cela. Magnifique. Il n'y a rien de comparable sur toute l'île. Rapportons-la au temple. Ah ben, elle était là. Surprise. Enjo est devenu le gardien quand des bandits s'en sont pris au temple. C'est cette statue qu'il visait. Elle est inestimable. Nombreux sont ceux qui ont dû vouloir s'en emparer. Combien devront encore se sacrifier pour la protéger ? Préférerais-tu qu'elle soit volée ? Non. Mais le temple regorge de trésors. Il suscite bien souvent les convoitises. Le seigneur Shimura m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Je croyais que son sculpteur avait rencontré le Bouddha en personne. Quand j'étais petit, ma famille est venue jusqu'ici faire une offrande pour la nouvelle année. C'est là qu'Enjo et moi avons décidé de devenir moines. Aujourd'hui, je ne sais plus pourquoi je me bats. Nous luttons pour sauver notre île. Peut-être, oui. Ok. Toujours plus. Allez, dis-moi tout. Frérot. Tu vas où? Tu veux pas me parler? Il est chiant. Vous savez quoi? Je vais le renard vite fait, c'est juste à côté. Comme ça c'est fait, et je reviens le voir. Monseigneur! Oui, alors, ça va. J'ai voulu te parler, tu m'as snobé. Tu vas attendre 2 secondes. Je t'entends, mon grand. Allez, montre-moi.
Monseigneur! Yo. Norio, as-tu parlé avec les moines? Leur détermination grandit, mais ils craignent encore les Mongols. A raison. Où sont-ils tous? À la rivière. Ils se baignent. Ils lavent le linge. Qui vient en direction du temple? Là, un Mongol qui souhaite mourir. Il est seul. Attendons de voir ce qu'il veut. Le fantôme est le frère du gardien. J'ai un message pour vous. Parle. Le fantôme et les moines ont défié la volonté du Ran. Rendez-vous, et ce lieu sera épargné. Refusez, et il brûlera. Nous ne nous rendrons jamais. Alors, vous mourrez. Les moines près de la rivière, ils n'ont pas le temps de s'abriter. Nous les protégerons dans ce cas. Je ne peux pas. Le Bouddha, le Sutra de l'abbé. Valent-ils plus que la vie de ces moines? Je ne peux les sauver seuls. Des siècles de savoir se trouvent dans ce temple. Je ne peux pas le laisser brûler. Mais tu condamnerais les moines. Je mourrai pour ce temple. Faites ce que bon vous semble. Reste ici. Je vais rejoindre les moines à la rivière et les ramener. Allez, allons découper des Mongols. Les Mongols arrivent. Éloignez-vous de la rivière. Salut les mecs. Bon, ça va? Vous êtes en sécurité. Norio, que fais-tu? Le temple est sans défense. Un temple, ça se reconstruit. Une vie, non. Nous défendrons les moines à la pagode. Je vous suis. Vous tous, suivez-nous. D'abord, on fait les courses. C'est la base. Allez, on y retourne.
justo. Ont subi de lourdes pertes. Ils ne reviendront pas de si tôt. Les moines n'oublieront pas ce que vous avez fait pour eux. Je n'étais pas seul, Norio. Non, mais si je ne vous avais pas écouté, bien d'autres seraient morts. Que vas-tu faire maintenant ? Je dois retourner au temple Sugi. On aura besoin de ton Aginata pour chasser l'envahisseur de nos terres. Vous l'aurez. Et vous pourrez compter sur le soutien de mon temple au nord. Nice. Je t'y rejoindrai. Nous devons aller voir le temple. Le Bouddha. Ils l'ont pété. Mon frère est devenu le gardien le jour où il a sauvé ce temple. J'aurais aimé qu'on sauve cette statue. C'est son ultime enseignement. Quoi que l'on fasse, tout finit toujours par disparaître. Elle a perdu sa valeur une fois brisée. Mais son message est plus fort. Très bien. Quand il pleut pas, il fait orage dans ce pays, c'est terrible. Bon. C'est terminé pour Norio. Donc c'est une très 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 bonne chose d'en avoir fini. Voyons voir. Beaucoup de points d'interrogation quand même.
Ça, c'est à faire. J'y vais de suite. Hein. Salut l'oiseau. C'est ça que tu as montré ? Ah, le chapeau, nice. Ok. On va essayer d'aller jusqu'à ce sanctuaire. Un moyen de monter, bien évidemment. Ok. C'est parfait. Eh bien, nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, commentez la vidéo, abonnez-vous et bien évidemment, cochez la cloche pour être sûr de ne pas louper la suite ou même les futures vidéos de la chaîne. C'était Brocorse. Je vous dis à plus.